Salut Erwan, et merci d'accueillir la Fédération. Merci. Nous sommes très très contents de venir voir un des beaux clubs de la région parisienne, mais de la Fédération aussi, hein, bien évidemment. Avec une belle école de billard, on va parler de tout ça. Ce qu'on souhaiterait, c'est que tu nous fasses un petit historique du club d'abord, où j'ai vu cette belle salle que je ne connaissais pas personnellement. Donc je me dis, tiens. Là, il y a eu du travail pour arriver à avoir un équipement comme celui-là, c'est pas venu tout seul. Comment ça s'est passé, cette affaire? Alors ça s'est passé, moi j'étais même pas encore né, puisque le club a une origine ancienne, hein, 1959. La volonté de quelques joueurs qui ont fait que le club s'est agrandi au fur et à mesure des années pour arriver dans les locaux en 1974. Et voilà, on a œuvré les différents présidents à faire de cette académie une belle académie. Et qui permettent d'accueillir tous les joueurs de billard de l'Île-de-France et de Navarre. Mais cet équipement, le dernier que j'ai vu là, il remonte à quand celui-là? Alors celui-ci remonte à 74, Eh, mais quand même, hein. il s'est, je dirais, peaufiné, puisqu'on a accueilli des billards à poche. Et donc, dans un premier temps, ça a été les billards américains, avec quatre billards américains. Ensuite, on a mis deux black balls. Et maintenant, il va falloir pousser les murs. Oui, ben, on connaît, on a vu quelques expériences similaires. Bien. Alors, la motivation principale de notre visite, c'est l'école. L'école de billard labellisée. Alors, ça fait partie, vous faites partie des rares écoles qui prenaient en compte toutes les disciplines, presque, parce qu'il n'y a pas le snooker, mais vous avez C'est un trois projet. disciplines sur quatre. Ce qui est le cas d'ailleurs du club de Douarnenez, qui n'a pas de snooker non plus. Donc, à quand remonte la création de l'école? Comment ça s'est passé? Qui a Alors été à l'école, l'origine de elle ça? remonte de mémoire à 2000. Les labels FFB n'existaient pas encore, mais on a été l'un des précurseurs au club avec le club de Franconville à accueillir les jeunes. Et surtout à créer une structure d'accueil pour les jeunes débutants. Alors je dis jeunes par leur âge, mais aussi par leur niveau. Donc certains ne connaissaient pas du tout le billard et surtout ne le pratiquaient pas comme nous on peut le pratiquer, c'est-à-dire avec une structure éducative, une structure sportive qui fait que on peut amener les jeunes débutants à faire de la compétition après les différentes évaluations que la Fédé propose. Donc aujourd'hui, vous êtes combien à cette école? Je parle d'une part des jeunes et combien d'adultes également? Alors les jeunes, on en a 26. Dans les 26, il y en a 20 qui pratiquent, je dirais assidûment. Chez les jeunes débutants, il y a les féminines qui participent en grand nombre à hauteur d'une petite dizaine. C'est Voilà. beaucoup. Ouais. C'est bon Enfin, ça. toutes disciplines confondues, hein. Voilà. Et puis, pour les adultes débutants, ils sont aussi une petite dizaine, ouais. D'accord, ok. Quelle que soit la discipline. Voilà, Donc, je est-ce parle. que vous procédez de la même manière avec des horaires différents en Oui, fonction tout à de fait. On a tout des ça, créneaux ouais. spécifiques, mais on essaye aussi de pouvoir accueillir parents-enfants. Parce que la gestion du temps dans les familles actuelles est difficile. Et si on peut regrouper, enfin, s'il y a une volonté du parent-enfant à vouloir pratiquer en même temps, on prend les parents à part sur notre table et ensuite on sépare donc les parents-enfants pendant les cours et ensuite ils se retrouvent après pour faire un match ou autre. D'accord. Donc toi, tu es le responsable de l'école. Tu as combien d'animateurs formés aujourd'hui qui sont susceptibles d'intervenir Alors au cours de l'année? j'en ai Une dizaine, c'est bien. une dizaine facilement. Il y en a trois qui œuvrent à l'américain, j'en ai trois qui œuvrent au black ball et j'en ai six ou sept qui le font à la carambole. D'accord. Donc les gens sont relativement constant dans leur effort, ou Oui, tout ça à va, fait. vous Oui, arrivez à oui, 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 oui. stabiliser Surtout.
compte tenu du succès de cette école, j'ai eu des bonnes volontés qui ont dit, moi, je veux participer à l'encadrement. Donc, ça, c'est pour moi un gros succès. Au Carambol, donc l'école pratique les méthodes fédérales, Oui, tout j'imagine, à fait. que Marc avait initiées. Tout à fait. Mais par contre, nous n'avons pas encore d'équivalent dans les bières à poche. Enfin, c'est à construire, en fait, hein, Ça, pour l'américain. oui, pour Ça l'américain, ça démarre. n'existe pas encore. Ça va démarrer, on l'espère. Pour le Black Ball, il y a déjà des travaux d'approche qui ont été faits, mais il y a encore beaucoup de travail à On les faire. utilise déjà. Vous les utilisez, ben, tant mieux. Voilà, donc, mais vous n'avez pas d'autre approche que celle indiquée et proposée par la fédération. Il n'y a pas d'initiative propre au sein même de l'école, quoi. À l'américain, si, parce qu'on est Si. obligé, parce qu'on a, on a peu de choses. Donc, on a déjà des animateurs qui ont un certain niveau, donc qui peuvent approcher des points techniques particuliers. Mais on a aussi des livres qu'on Voilà, trouve. des méthodes Oui, oui. qui sont applicables pour une école, des Oui, choses comme qui sont ça, pour faire de applicables. l'apprentissage. Tout à fait, oui. Okay. Oui, tout à fait. Oui. Sinon, du point de vue de la politique de l'école, est-ce que vous êtes une école ouverte à tous, ou est-ce que vous avez aussi une volonté de qualité? Et si c'est le cas, comment vous gérez le problème de l'élite, de la qualité, de la Bah, tout recherche? simplement par des créneaux spécifiques. On D'accord. a, on a, on a, on a eu des jeunes qui ont été très hauts, mais on s'est plutôt rabattu sur le sport de masse avec une politique de former les gens afin de pouvoir les lancer dans le monde du billard pour commencer la compétition. D'accord. Voilà. Ok. Maintenant, quand on gère trois disciplines simultanément, parce que j'imagine que les horaires sont les mêmes, hein, c'est-à-dire, Non, 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 vous, ils vous sont faites différents. petite une différence, alors. Ah oui, tout à fait, Donc, vous faites des horaires spécifiques oui. Oui, par discipline. oui. D'accord. Et par âge. Et par âge. Donc, Ok. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça, finalement? bah, tout simplement permettre aux jeunes de choisir eux-mêmes leur discipline. D'accord. Voilà, et pas dire, bah voilà, tu fais pas ça parce que bah, c'est la carambole à ce moment-là. Non, les enfants peuvent venir le mercredi pour la carambole, peuvent venir le lundi pour le black ball et peuvent venir le mardi pour l'américain. D'accord, ça veut dire qu'un gamin qui s'intéresse aux trois, il peut venir participer aux trois, Ben, s'il a de disponibilité. on a des compétiteurs, jeunes compétiteurs, qui font les D'accord. trois disciplines. D'accord. Oui, bon, ben ça c'est une originalité, parce que j'ai pas vu ça ailleurs encore. Bien, donc tu me dis que les féminines sont importantes. Oui, Ça 15%. représente, oui, 15, c'est bien, ça c'est un bon score. Ce qui serait intéressant, c'est de voir comment vous pratiquez pour le recrutement des jeunes en particulier, hein, qui nécessitent une communication et des méthodes un peu différentes que pour les adultes. Comment vous faites pour alimenter votre réservoir de gamins chaque année, etc. Est-ce que tu as quelque chose de particulier ou comment vous pratiquez? Alors, avant de parler du particulier, on a les actions, je dirais, communes à tous les clubs de billard, qui est la participation au forum des associations, où là on est représenté en nombre, puisqu'on a les trois billards qui sont représentés sur l'espace qui nous est dédié. Donc vous mettez un billard de chaque discipline. Oui, tout à fait. Ouais. C'est Donc, bien. Ça, vous faites ça chaque année. chaque année, oui. Bien. Voilà. D'ailleurs, c'est la municipalité qui nous l'offre. Donc, à ce sujet-là, je les remercie déjà parce que ça nous a permis vraiment d'avoir une action très bénéfique pour le club puisque ça nous a permis d'augmenter nos licenciés. Donc, sinon, en particulier donc pour les actions, on a des actions auprès des écoles, auprès des centres aérés aussi. Et on a aussi une chose qui marche pas mal, c'est le bouche à oreille des jeunes, puisqu'on leur propose de faire leur anniversaire au club. Et le bouche à oreille fait que, bah tiens,
Un tel a fait son anniversaire là-bas, c'était génial. Et puis l'année d'après, bah, quand ils sont dans la même classe, on retrouve, au lieu d'en avoir qu'un, on en a deux. Et en plus, bah, ce qui Oui, c'est permet une bonne idée, ça. en général aux petits qui débutent d'être un peu tutorés par l'ancien qui a un an. Oui, c'est Qui a une un bonne an. approche. Voilà. Et vous, c'est une. Enfin, certains utilisent le parrainage aussi en disant aux gamins qui sont à l'école, si vous ramenez un autre gamin, ils ont un cadeau, une canne de bière. Enfin, on trouve différentes solutions, mais c'est toujours utiliser déjà les gamins qui sont dans l'école pour essayer d'en attirer d'autres. Donc, je rebondis sur ce que tu as dit tout de suite sur la relation avec la ville d'Argenteuil. J'ai cru comprendre quand même que c'était une relation exceptionnelle, parce que d'abord l'équipement est remarquable, mais en même temps, vous êtes quand même sacrément bien soutenu dans votre développement par la municipalité, quand même. Oui, tout à fait. Lors de leur venue, ils ont tout de suite compris nos valeurs, qui sont la convivialité, le sport billard et, je dirais, les valeurs propres au sport, qui sont, voilà, l'entraide, la compétitivité et plein d'autres choses. Ok, ben c'est très bien. Alors, un petit peu plus de détails concernant la tarification. Que finalement, pour un jeune qui veut rentrer à l'école de billard, ça va lui coûter combien son entrée dans le club? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que un jeune ou un débutant aura les cours gratuits au club. Ensuite, en fonction de l'âge, il y a différentes cotisations et il y a aussi des tarifs, je dirais, plutôt envers la famille, puisque il y a des réductions si on pratique un parent, un enfant. Et puis on a aussi un autre tarif qui est très apprécié et qui a fait booster nos licenciés, c'est le tarif couple. Où là on a fait un effort significatif sur puisque en fait ça coûte un tiers de plus seulement à s'inscrire à deux que de 100% de cotisation. Donc voilà. Donc non, ça a très très bien marché. Et puis on voit tout à fait que bah, l'un entraîne l'autre et donc on a plus de fréquentation aussi. Donc, ce qui fait qu'on gagne sur tous les tableaux là. D'accord. Oui, ben, c'est très très bien. Alors, en ce qui concerne on parlait tout à l'heure de la politique du club, quantité et qualité. Vous avez ici des joueurs élites dans les trois disciplines, Oui. des joueurs qui jouent au plus haut niveau en France. Alors, donc j'imagine que cette élite-là vous donne un coup de main quand il s'agit de porter, de coacher un gamin qui on sent qu'il a une grosse motivation, qu'il a un certain talent. Alors, Et vous. oui, tout à fait. Pour la carambole, on a de l'expérience, hein, puisque ça fait 10 ans qu'on pratique l'école de billard. Donc oui, là-dessus, ça a été fait. On commence à le faire au billard à poche, mais bon, c'est les premiers balbutiements. Pour l'instant, on n'a pas les effectifs pour pouvoir les faire monter, mais on a déjà un petit jeune de 14 ans qui a été champion régional au Black Ball. Donc voilà, il participe déjà au TN. Voilà. Alors, quelle est votre approche aussi pour l'entrée en compétition des jeunes en fonction de leur niveau? Est-ce que vous avez une approche particulière là-dessus? Certains ne souhaitent pas les mettre trop tôt en compétition adulte, les poussent, proposent plus de compétitions jeunes avant de les matcher les adultes. Comment vous voyez ça? Je dirais que c'est propre à l'enfant en fait. Nous, on leur propose. S'ils ont envie, ils y vont. S'ils n'ont pas envie, bah, ils y vont pas. On les force pas. Ce qui est clair, c'est qu'on les fait jouer entre eux déjà, pour qu'ils aient ce côté combattant, pour pouvoir appréhender les compétitions seniors. Alors il faut savoir qu'en Île-de-France, il y a des compétitions jeunes, mais on est confronté, je dirais, à notre succès, puisque si on doit déplacer notre tribu de jeunes, on a du mal à les véhiculer et les emmener sur les compétitions. Donc pour l'instant, on prend un petit groupe
un petit groupe et on les emmène dans nos voitures respectives. D'accord. Et au niveau de l'animation, donc entre eux, au sein de l'école, vous faites des compétitions Oui, internes tout à fait, oui. entre eux ou avec aussi des adultes? Je dirais que les compétitions entre eux, ils les font sur les tournois régionaux, puisqu'il y a des catégories spécifiques pour eux. Spécifique, oui. Et sinon, en interne, oui, après l'heure d'entraînement, il y a 1 heure encore de compétition où là, on les fait matcher entre eux et avec un système de montée-descente. Voilà, tu as perdu, bah, tu vas jouer contre celui qui a gagné en dessous. Et voilà. Donc, ça marche pas mal. Fédération, on examine les chiffres, hein, on voit bien que nous n'avons que 110 écoles actuellement, hein, labellisées, et on sait même que sur les 110, pas mal d'écoles sont très fragiles. Et nous, notre volonté, c'est d'essayer d'entraîner beaucoup, beaucoup d'autres clubs dans cette démarche. Qu'est-ce que peut dire une école bien, bien, bien installée comme celle d'Argenteuil pour motiver ces clubs à aller dans le sens de la formation, de l'école, etc. Ça fait longtemps nous qu'on a commencé, mais je dirais que la première chose à faire, c'est d'y croire. Même si on n'a pas de jeunes, les premières années, je dirais même les 4-5 premières années, c'est des fois difficile de ne pas avoir de jeunes. Il faut y croire, il faut venir au créneau qu'on met en place. S'entraîner sur les figures parce que des fois même l'animateur a du mal à faire les figures, donc voilà, il faut s'entraîner en commençant par soi, et ensuite quand on a fait tous ces entraînements, on peut bah, y croire et aller de l'avant et d'aller juste chercher les enfants là où ils sont, et puis ou même les débutants adultes. Politique sportive du club en matière d'événements. Alors, ce qu'on appelle événements, nous, c'est des événements de portée nationale, on va dire, quoi. Alors, ça peut être une compétition officielle de la fédération, championnat de France, un tournoi national, ou même une compétition internationale. Quelle est votre pratique? Alors, concernant les événements nationaux, on en a eu fait. On s'est un peu calmé, je vais dire, mais on s'est plutôt orienté sur un événement que l'on fait au club où on regroupe les meilleurs joueurs français dans toutes les disciplines, c'est-à-dire au black ball, à l'américain et à la carambole, en organisant le tournoi du soleil qui regroupe oui, les 24 meilleurs joueurs français. L'année dernière, c'était aux 5 quilles, c'était aussi donc à l'américain où on jouait à la 9 ou. Voilà, et puis au Black Ball, il y avait aussi des joueurs qui jouaient très très bien. Il est assez facile de constater que les bonnes écoles de billard qui durent depuis longtemps sont inscrites dans une structure stable et pérenne. Je pense que c'est le cas d'Argenteuil. Tu peux nous en parler un petit peu? Qu'est-ce qu'a fait Bah, ce qui a fait cette réussite finalement? cette réussite, c'est déjà une volonté du comité directeur qui a suivi une politique définie par l'Assemblée générale qui était de 1, pérenniser l'école de billard et par son intermédiaire le club.
mais aussi grâce à l'intermédiaire des instances délégataires de la Fédération française de billard qui ont permis d'appliquer une politique envers les débutants, notamment la Ligue qui a mis des compétitions aux 4 billes, l'organisation des DFA au niveau départemental et au niveau régional. Ce qui a fait que bah, voilà, les jeunes ne sont pas restés dans leur club et ils ont vu plein d'autres jeunes dans l'Île-de-France, qui a permis d'avoir une émulsion formidable et qui a permis à des jeunes de progresser. Hein. On le voit avec les jeunes qui œuvrent maintenant. C'est des jeunes qui sont arrivés au tout début de la vague et qui ont surfé et qui continuent à surfer. Donc c'est bien. Oui, mais c'est arrivé aussi parce que t'as un tandem. Ah oui, il y a un tandem. Il y a un tandem derrière tout ça. Tout à fait, il y a un tandem formidable hein, qui est moi avec mon épouse qui m'a permis de faire ce qui est arrivé au club. Et donc, je tenais à la remercier personnellement pour l'investissement qu'elle a donné, même si elle restait à la maison, elle m'a permis de voir grandir le club et ça, je tiens à la remercier personnellement. Très bien. Bon, ben, Erwan, merci de tout ça. C'est très instructif, hein. J'espère que tous les gens qui regarderont cette vidéo ben, verront, comme les autres clubs que nous avons filmés et que nous allons filmer, que le développement de la fédération, ça passe en partie aussi par les initiatives qui sont prises dans les clubs pour la formation. Merci et à Merci. bientôt.